Il est en train d'avoir un rendez-vous en fait, et du coup, je l'attends. Étant accompagnante, je ne peux pas être avec lui. Du coup, je me suis installée dans les escaliers. Et alors, ça fait un boucan là, je suis pas sûre que vous m'entendiez. Et en fait, je tricote. Je tricote ma deuxième chaussette. C'est parti! Ça résonne. On dirait un petit poulailler. Voilà, donc c'est un peu plus calme. Donc je disais que j'ai commencé à tricoter la deuxième paire, enfin la deuxième partie de la paire de chaussettes. Et voilà, j'ai encore deux rangs de côte torse. Je vous montre. Voilà, j'ai encore deux rangs de côte torse. Je pense que j'aurai terminé avant que mon petit papa arrive. Et puis après, on repart. On traverse les parcs bordelais, c'est beau. Allez, vas-y, vas-y, je. Ah non, mais c'est pire. Vive le Covid, tu es en train de cracher sur le guette. Dépêche-toi, écoute. Ah, mais écoute. C'est lamentable. Vas-y, encore. Pourtant, t'as pas bu. Ah oui, rapproche-toi, d'accord. C'est un peu loin. Et encore une. C'est dur. Attends, heureusement, on n'a pas mis 68. Allez. Allez, dépêche-toi. Wow. Ouais. Voilà, c'était laborieux. Thank you.
me suis plantée. En fait, j'ai... La longueur de la chaussette me semblait bien grande. Vous avez vu, je l'ai terminée en plus. Elle me semblait bien grande. Mais c'est normal, puisqu'en fait, j'avais fait une modification dans la première chaussette, à savoir que j'ai un petit pied. Et du coup, ben j'ai ça. Enfin, oui, j'ai ça en trop, quoi. Voilà, j'ai compté, en fait, au lieu... Là, j'ai 1, 2, 3, 4. En fait, j'ai 4... Je vous montre. J'ai 4 torsades. 4 symboles, on va dire. Et en fait, il m'en faut que 3. Voilà. Parce que j'ai fait la taille S pour le pied. Parce que j'ai un petit pied. Alors que pour le reste, au niveau du mollet, j'ai fait la taille M parce que j'ai un mollet un peu plus important. Donc, du coup, ben, je me suis plantée. Voilà. Donc, ben, je détricote. J'avais terminé. Donc pour ça je passe un fil de survie. Donc j'ai bien étudié mon tricot. Je crois le plus compliqué pour moi c'est au niveau des mailles en droit, en vert, parce que j'arrive pas encore trop bien à savoir quelle est la maille en vert qu'il faut que je garde en fait. Mais bon, je pense que je me suis pas trompée. La maille en droit c'est très simple. Vous avez le petit V là, vous voyez, vous avez un V. Et en fait, c'est celle-là qu'il faut piquer. Donc, je vais prendre quand même celle d'avant. Mais vous voyez, c'est le V, c'est la première maille qu'il faut piquer. Voilà. Et après, ben, j'aurai plus qu'à détricoter. J'ai déjà commencé un petit peu là, il y a un petit trou. J'ai commencé à détricoter et ce sera beaucoup plus rapide. Même si là, ça me prend un temps infini, je ne sais pas pourquoi. Parce que je fais trois choses à la fois, en fait. Ça doit être surtout ça. Mais voilà. Donc là, j'ai toutes mes mailles. Il faut juste faire attention que ce soit bien aligné. Et logiquement, maintenant, je vais pouvoir détricoter. En reprenant mon petit fil qui est là et en détricotant. Donc là le début c'est un peu compliqué parce que j'avais fait un grafting. Enfin, c'est pas compliqué, c'est que ça va me prendre un peu de temps parce que j'avais fait un grafting en fait. Et après par contre bah, ça va dérouler quoi. Voilà. C'est ça d'être tête de linotte. Je n'ai plus qu'à reprendre mes mailles. Je n'ai plus qu'à reprendre mes mailles qui sont sur mon fil de survie. Et j'en aurai terminé. Ça prend un peu de temps, mais à un moment donné, si on veut avoir de bonnes paires de chaussettes, hein, faut pas faire d'erreur.
Donc ça y est, j'ai récupéré mes mailles. Voilà. Sans en perdre une seule. Il y a juste là un petit couac, mais que je vais rectifier. Voilà. Mais je vais la rectifier quand je vais faire la ligne.